crois bien qu'on est monté d'un cran dans l'abomination. On a un macabé de sexe masculin, a priori septuagénaire, la bouche a été cousue et on lui a retiré les yeux. Et comme si ça suffisait pas, regardez, les parties inférieures du corps ont été brûlées à l'acide, on voit les os. Quand on entre dans la pièce, on voit bien que la tête de la victime pointe vers la porte. Ça veut dire que le pentagramme est inversé, une dimension satanique. La voiture de Spencer a été sabotée. À couvert! Établissez une fiche rouge à l'intention d'Interpol. Le suspect s'appelle Bernard Rocan. La cour déclare Bernard Rocan coupable de meurtre. C'est fini. Vous avez perdu. Non. C'était encore là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne suis pas habilité à vous répondre. Est-ce que je peux au moins savoir où vous me conduisez? À notre quartier général, à Levallois-Perret. Putain, il nous a encore échappé! Vous avez déplacé le corps? Non, on n'a rien touché, conformément à vos instructions. Mais il faut faire assez vite car le niveau d'eau risque de monter à tout moment. Il n'a pas l'intention d'en rester là. Évacuez immédiatement! Sortez de là! Un missile Exocet s'est malencontreusement activé à notre insu sur une de nos frégates. Il s'est écrasé sur un navire civil pour une raison encore inconnue. On arrête tout, il faut qu'on reprenne à zéro. On dirait un pentacle. Et regardez, les points principaux correspondent aux bourgs touchés. Si on les élimine, c'est ici que Rocan va frapper ce soir. Ça veut dire que Tristan Vogman n'a pas diffusé les dernières volontés de Rocan, mais ses premières. Go, 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 go! Qu'est-ce que tu veux? Maintenant que j'y pense, ta peau, Spencer. D'après les premiers éléments qui nous remontent de nos correspondants, il semblerait que l'inspecteur Spencer ait perdu la vie ce soir au cours de l'opération. Et maintenant ?